Bonjour et bienvenue sur DNA Games pour la suite de Message Quest. Et nous sommes là pour parler à cet idiot. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. Pourquoi avez-vous abandonné Madeleine et la troupe? Madeleine voulait devenir prima donna, mais j'en avais assez d'être le roi. Pourquoi ne pas l'avoir tiré de ce piège? Mais je l'ai sauvé, je t'ai envoyé là-bas. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez le roi des bardes? Ce qui compte, c'est que tu aies pu atteindre l'auberge. Mais pourquoi? Pour que toi et Madeleine puissiez vous rencontrer. C'était elle l'adressée. Pourquoi avez-vous laissé suivre une fausse piste? Elle était si fausse que ça? Tu as fait tout ce qu'il fallait? Ça veut dire que j'ai terminé ma quête? Le message a été délivré et utilisé à bon escient. Vous nous avez réunis volontairement pour sauver Avarange? Tout ce qui fait partie de l'univers est entremêlé. Puis plus que tu ne l'imagines. Mais maintenant que j'ai répondu à toutes les questions, il est temps de se dire au revoir. Enfin, que chacun puisse poursuivre son voyage. Au revoir, Madeleine. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas? Au revoir, Lindrin. Au revoir, tout le monde. Sniff, le petit bonhomme est finalement devenu grand. Je rentre enfin à la maison, là là là. Que s'est-il passé ici? Découvrez ce qui s'est passé. Noah, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, Fest. Nous avons été vaincus. Qui a fait ça? Nos ennemis jurés, les gardes forestiers. Les gardes frontières. Encore? Mais elle traitait de paix alors? Nous savions qu'il finirait par briser le traité, ce n'était qu'une question de temps. Que leur avons-nous fait? Nous construisons des connexions entre les mondes, eux, ils construisent des murs. Et ils ont attendu que vous soyez tout seul avant d'attaquer les Quarts? Non, je n'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai voyagé très loin, j'ai réuni des routes, j'ai combattu des aubergistes, j'ai résolu les énigmes de porte parlante, j'ai vaincu ma propre flemme. J'ai sauvé des enfants dans un monde agonisant. J'ai accouché d'un bébé. Enfin, j'ai un peu aidé. Enfin, bref. Tout ça pour qu'un tas de voyants détruisent ma maison pendant mon absence. Trouve la bannière des héros. Noah, regardez. Vous voyez cette bannière? Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit n'empêchera un héros d'accomplir en toute diligence la quête qui lui est assignée. L'ordre a survécu. Allons, Noah, nous avons du travail! Fest, tu parles comme un vrai héros. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Fest le Fainéant et que commence une autre histoire. Enfin presque, je tiens à vous montrer une dernière chose. Prologue. La veille du début des aventures de Fest, deux personnes se retrouvent à l'aube. Comment ça va, Toern? De l'eau. Ce qu'il y a dans cette bouteille scintille, je ne vais pas boire ça. Ce n'est pas de l'eau. C'est une chaussette. Non, Arafa. C'est pas de l'eau. Barosto Rocore. Que s'est-il passé?
Les choses vont-elles si mal ? Merci d'être venu, Lynrin. Comment va ta blessure ? Ça ne s'arrange pas, mais les Chromogs n'ont pas grand chose à faire. Mais tu es le meilleur gardien d'Avaranche. Avaranche doit être détruit. Et ses habitants ? Mon apprenti attend le signal pour commencer l'évacuation. Je dois envoyer un héros pour délivrer notre message. Je crains que l'ordre des héros ne soit en train de vivre ces dernières heures. Oh, qu'allons-nous faire ? Elle ne sauvera pas les habitants, elle va se perdre. Ne t'en fais pas. J'ai un plan. Bon Dieu, n'oublie pas que cela ne s'est pas encore produit. Fais-moi confiance, je gère. Vous vous souvenez peut-être de comment j'ai réglé le problème. J'ai envoyé Fest sauver Madeleine, puis je les ai envoyés tous les deux sauver les réfugiés. C'est plutôt une bonne idée. Il n'y avait aucune raison pour que cela se passe mal. Une minute. Ils vont avoir besoin d'une route. Comment construire-t-on une route Torerne ? Torerne ? Construire une route avec quelque chose, voilà. Torerne, qu'est-ce que c'est ? Des parchemins. Ça fera l'affaire. Nous allons les étaler sur la table. Si vous pouviez juste me laisser le faire, voilà. C'est l'heure de faire un peu de magie. Pouvez-vous m'apporter une bougie ? Ben, c'est ce que j'essaie de faire là, mais bon. Oh ! Maintenant, un arbre, s'il vous plaît. Ensuite, de la neige. Où vais-je trouver de la neige ? Mais qu'est-ce que je ferais avec une arme ? Tu devrais peut-être que j'écrase mes ennemis avec jugeote comme toi ? Pas touche à ma boule à neige, allez en chercher dehors. Il ne dormait pas, lui ? Pendant que je vais chercher de la neige, trouve-moi donc le reste d'un ancien monde. Des restes de n'importe quel monde, il y a plein de bocaux ici. Non, Arafa. Mauvais bocal. Non, Arafa. Mauvais bocal. Non, Arafa. Mauvais bocal. Non, Arafa. Mauvais bocal. L'écodatero. Ça devrait faire l'affaire. Splendide. À présent, la touche finale, pour cela, je vais avoir besoin d'encre. Et voilà. J'espère qu'ils comprendront. Il me semble assez clair que le parchemin est la route, non ? Dépêche-toi, je ne pense pas pouvoir tenir encore bien longtemps. Merci de votre aide, chers joueurs. Nous avons interprété ce jeu pour vous. Ce fut un grand honneur et un immense plaisir. À présent, je dois retourner au début de l'histoire pour qu'elle puisse se produire. Oh, c'était lui, l'homme à la cape. Cette fois, c'est la bonne. Fin. Bye bye. Et donc, c'était Message Quest. J'espère que ce jeu vous a plu, parce que moi, il m'a vraiment plu. Certes, c'était court, je l'avoue. Je pensais que le jeu serait plus long, mais quand même, l'animation est géniale. Les musiques, comme on l'entend là, sont féeriques. Les décors sont magnifiques, regardez-moi ça. Et il n'y a pas besoin que ce soit un jeu de 2 heures ou 3 heures, il y a juste besoin que ce soit un bon jeu. Les personnages sont attachants, il y a de l'intrigue. Franchement, je dis merci à toutes ces personnes qui ont créé ce jeu et à Unity.
Et en plus, on a combattu la flemme. Je m'attendais pas à ce qu'en fait ce soit juste un boss final. Donc voilà, message quest est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et peut-être me conseiller d'autres jeux du même genre. Moi je vous dis à plus sur DLA Games, c'était David.